Et maintenant papa, il veut doubler la grosse voiture. Et la grosse voiture, elle veut pas cesser doubler. Robert, dérange pas ton père quand il conduit. Et maintenant, j'ai les jetons. Papa, il a pris le virage trop vite. Et même qu'on a failli rentrer dans un camion. Et même que c'était un gros camion. Et que ça aurait fait mal, très très mal. Robert, arrête avec cette chanson sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Et maintenant, papa, il veut doubler la grosse voiture en côte. Et s'il y a une voiture qui arrive en face, ça va faire mal, très très mal. Robert, on se promène pour avoir un peu de calme. Un peu de calme. Maintenant, papa. Et maintenant, papa, il va être obligé de mordre sur la ligne jaune. Et s'il y a des flics de l'autre côté, il va se faire piquer. Ça y est, il s'est fait piquer. Papa, tu t'es fait piquer. Il s'est fait piquer. Elle est belle, ma chanson du dimanche, mais personne ne peut l'écouter. Il s'est fait piquer. Allez France. L'équipe de France d'athlétisme est prête. Nous sommes entraînés, surentraînés. Et cette année, nous pouvons ramener 2 médailles d'or, super. Hein? Non, pas au lancement du poids. Le lancement du poids, c'est pas pour nous les Français, on est trop légers. C'est comme le saut en hauteur. Le saut en hauteur, c'est pas pour nous, c'est pour les Américains. Vous avez vu la taille de nos athlètes, vous avez vu notre taille à nous. C'est une question de race, ça. Faut pas oublier que quand les Européens, ils ont émigré aux États-Unis, c'est le plus costaud qui sont partis. Et nous, on est restés. Avant, oui. Avant, on pouvait espérer une médaille d'or en course à pied. Parce qu'il y avait les Arabes. Maintenant, pas si bête, ils courent pour eux. Bon, allez, disons, soyons pessimistes, disons qu'on peut ramener une médaille d'or sur celle-là, sûr. Parce que vous savez, avec les Français, on a toujours des surprises. Regardez, au dernier championnat d'Europe, entraîné comme on l'était, personne n'y aurait pensé qu'on ramènerait pas une médaille. Non, moi, la dernière fois, si j'ai rien ramené à Munich, c'est de ma faute. C'est parce que j'ai voulu expérimenter la technique française qui préconise la concentration pour l'autosuggestion. La concentration... Non, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Je cours, et tous les 10 mètres, je dis « je veux gagner ». Je veux gagner. Je veux gagner. Alors, au début de la course, ça a été. Mais quand j'ai senti la fatigue, j'ai rajouté du texte. Ah, si, si. Je vais gagner, je vais rentrer à la maison, je vais pas de ça. Et à la fin de la course, je parlais pratiquement tout le temps. Ça, c'est crevant, hein. Non, puis, ce qui m'a démoralisé, c'est lorsque j'ai vu Omar, le Nigérien, qui me doublait. Il courait n'importe comment, pieds nus, sans technique, sans autosuggestion, sans rien du tout. Les bras comme les ailes d'un moulin en folie. Et le comble, en me doublant, il se met à rigoler. Y a rien de plus difficile que de courir en rigolant. Non, mais attendez, le comble, vraiment, ce qui m'a énervé, c'est tout d'un coup, je sens un type dans mon dos. Non, je l'ai dit 1000 fois, s'il y a une chose dont j'ai horreur dans la course à pied, c'est de sentir quelqu'un derrière moi. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire, je lui ai dit, non, il souffle ailleurs. Il m'a doublé, il a été soufflé derrière Omar. Je voudrais quand même remercier le coureur africain Mamadou Fofana, stagiaire dans l'équipe de France au titre de l'assistance aux pays sous-développés, et qui m'a soutenu pendant 10 000 mètres. Chic ça, hein. Je sentais bien qu'il voulait que je dépasse. Mais plus il ralentissait, plus je ralentissais. On pouvait pas finir à marche à pied quand même. Non mais maintenant je peux dire, dans l'équipe de France, cette année on a le moral. Vous savez pourquoi? On peut pas tomber plus bas. Allez France, allez France. Ça vous embête pas? Juste un petit coup de fil, là. Non, hein? Ça vous embête pas, hein? Non, c'est parce que ça me permet de me reposer, puis j'avais promis de défendre tout ça. C'est un petit truc pour moi.
Allô? Allô, Odile? Bonjour, Odile. Ici, c'est Alex. Alex. Non, Alex. Odile, souvenez-vous, je vous ai été présenté à la fête de la compagnie par Martine Delafeuille. Oui. Ah non, là, vous confondez avec un autre, là. Vous confondez avec François. Non, non, moi, c'est Alex. Vous vous souvenez bien quand même que nous avons été boire un verre au buffet dans le parc, tous les deux? Non, vous pensez à un autre, là. Non, là, c'est le directeur financier. Oui, oui, je vois. Albert Nourri, Fourri. Oui, oui, je vois. Non, un gros, là. Oui, mais non, non. Moi, c'est Alex. Attendez, nous avons été faire une promenade dans le parc. Nous nous sommes assis dans l'herbe, là, à l'écart, un moment. Et nous avons parlé un long moment, même. Alors là, c'est drôle parce que vous me confondez carrément, là, avec le jeune HEC qui vient de rentrer, Jacques Morel, oui, oui. Non, moi, c'est Alex. C'est Alex, moi. Écoutez, je vais vous rappeler un détail. Nous avons été faire une promenade en voiture, vous vous souvenez de ça? Et je me suis arrêté au bord de la rivière, et là, il y a eu entre nous un moment d'une grande tendresse, et même je vous ai embrassé. J'ai dit vous embrasser. Non, je vous ai embrassé. Ah non, j'ai pas les cheveux longs, non. Ah, vous pensez à Maurice? Oui, oui, je vois à Maurice. Non, moi c'est Alex. Attendez, Odile. Bon, je suis vraiment gêné de vous rappeler ce petit détail, mais ce soir-là, vous m'avez parlé de vos ennuis d'argent et je vous ai proposé de vous aider. Et même, je suis rentré à Paris en voiture dans la nuit et je vous ai ramené 2000 francs en petite coupure enveloppée dans du papier journal. Vous vous souvenez de ça? Voilà, Alex. Écoutez, il y a un moment, vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous m'aviez complètement oublié. Puisque j'arrive pas à établir le contact avec les autres, puisque c'est si difficile, vous savez ce que je vais faire? Mais déjà, il y a longtemps que j'y pense. Je vais partir aux États-Unis, je vais aller travailler aux États-Unis. Parce que je peux vous dire que là-bas, aux États-Unis, quand on pense que les ouvriers... Un ouvrier, une bagnole, ah, comme ça. Un balayeur des rues, ah. C'est pour ça, moi, je pars aux États-Unis et je me remets à l'anglais tout de suite. Depuis le temps. Tiens, tu penses. Je reprends l'anglais. Bonjour, monsieur. Good morning, sir. Avez-vous du travail? Have you any work? Combien payez-vous? How much do you pay? Quel est le rythme des cadences? What are the norms like? C'est trop dur. It's too hard. On veut des pauses. We want breaks. Vous vous foutez de ma gueule? Are you kidding? On fait la grève. We are going on strike. Camarades avec nous. Comrade with us. Briseur de grève. Yellows. Tiens, c'est plutôt que chez nous. Lèche-cul. Ass kissers. Fauderche. False friend. Vous laissez pas faire, bande de cons. You're going to get out. You bloody fools. Ils vont vous baiser. They are going to fuck you. Occupez l'usine. Occupy the factory. CRSSS. Cops speaks, cops SS. Attention aux grenades. Look out for the bomb. Il l'a reçu en pleine poire, le flic. The cop got it right on the caisseur, ça se produit. C'est bien fait pour sa gueule. Good, il déserve zit. Alors maintenant, tirez-vous les mecs. Let's beat it. J'ai les flics au cul. The cop are after me. Bing, je me suis cassé la gueule. I fell on my face. Salaud, fumier, shit, bastard. Bing, j'ai la grosse tête. My head is splitting. Fils de pute, son of a bitch, you fucked. Je l'ai dit. You fucked. Wow. Alors, qu'est-ce que je peux demander maintenant? Où est l'hôpital? Where is hospital? À quelle heure y a-t-il un avion pour Paris? What time is a plane for Paris? Thank you.
Entrez, entrez dans la maison de Dieu. Entrez, entrez dans la maison du Shraman Mou. Que je remplace et qu'il est parti en vacances. Le Shraman vous dit, si vous voulez la paix de l'esprit, lisez le livre du Shraman, qu'il est en vente à la boutique au prix de 25 francs. Après, vous voudrez approcher Dieu encore plus. Et vous prendrez leçon avec Shraman, qu'il est de retour dans quelques jours. Et en attendant, on prend inscription boutique au prix de 100 francs la demi-heure, 80 francs groupe et même abolement en allée. Mais là qu'il faut discuter le prix. Après quelques leçons, miracle! Vous voyez plus chose vilaine de la vie. Vous avez approché Dieu. Alors, vous brûlez dans votre chambre une bâtonnette encens, 200 francs la boîte de 10. Et vous prenez une bain pour purifier le corps dans l'eau du Gange, importée direct Calcutta. 250 francs la bonbonne. Et même si l'eau elle est saumâtre, on change la bonbonne. Avant baignade, jetez dans l'eau de la cendre d'une gourou qu'il a été incinéré. Et que ça est une chose très rare. Et c'est pour ça qu'elle est très chère. 500 francs la pincée. Et peut-être même j'en ai pas pour tout le monde à la boutique. Après baignade, miracle! Vous sentez plus douleur physique, morale. Vous pouvez enfoncer dans votre corps, sans douleur, une épingle. Épingle que vous trouverez à la boutique. Épingle petit format pour la joue et le cou, 1000 francs. Grand format pour l'abdomen, 2000 francs. Maintenant, vous voyez Dieu comme si vous le touchez. Et beaucoup de disciples viennent nous voir et ils nous disent « Je te donne tout, prends ma fortune malsaine. » Et ils versent tout au CCP du Shram, 4624. Et Shraman, il dit « Tu es fils de Dieu maintenant. Prends cette couronne de fleurs qu'il a été fabriquée avec amour dans le monastère. » Et il la donne, il la donne. Et vous, vous pouvez l'acheter à la boutique au prix de 25 francs. Entrez dans la maison de Dieu. Je signale aux touristes que tous les achats boutiques monastères se font en dollars. Entrez chez vous! Entrez chez vous! Tu ne sais pas qu'il y a des moments dans la vie, mais où on se sent... Hein? Hein? Et on se dit, mais pourquoi tout ça? Hein? Mais c'est idiot. La vie! Et c'est tellement... Hein? Simplement, je sais pas, la nature, tous les fleurs, les... Je sais pas, même la terre. Vous prenez de la terre, vous la faites couler. Ça a une odeur, c'est... Hein? Il en manque pas, hein? Il y en a des montagnes. Alors vous montez, vous grimpez, et vous arrivez au sommet. Et puis là, vous voyez la terre. Crevé comme je suis, il faudrait monter là-haut. En ce moment, on est crevé, hein? On est crevé, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelqu'un qui a dit la mer. Ouais, c'est vrai, la mer. Moi, c'est marrant d'ailleurs. Dès que vous dites la mer. Des milliers de vagues, des milliards de vagues, pendant des années, des siècles. Et tout ça pour qui, pourquoi, pour rien? C'est tuant, ces histoires-là. Hein? Oh, je vais rester au soleil, je vais rester comme ça dans le jardin, au soleil, peinard, je suis tellement fatigué, là, bien. Oh, soleil, c'est bon, c'est chaud, hein? C'est chaud. Quand je pense que 2 heures après, je vais être tout rouge, des plaques partout et de la fièvre. Non, 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 pas au soleil, à l'ombre. Là, voilà, je suis bien, puis c'est beau, tout est... Hein, c'est bien. Je m'ennuie pas, hein. Ah, je m'ennuie pas. Oh non, tellement de choses à voir et... Tenez, regardez, simplement une mouche. Regardez cette rapidité, cette précision. C'est fou.
Cette merveilleuse danse autour du pot de miel, c'est pour indiquer à ses concitoyennes la nature du butin et le lieu du butin ici. Regardez, son appel est entendu. Une autre mouche arrive. 2, 3, 4 mouches. Oh, 10, 15, 20. Oh, il y en a plein dedans. Oh, c'est cool. Oh, les flic-tocs, les salopes. Oh, et puisque c'est comme ça, puisque je suis fatigué, puisque je peux plus rien faire et tout, je m'enferme dans la maison et je reste chez moi. Là, voilà, chez vous. Je m'ennuie pas. Hein. Moi, m'ennuie. Hein. Quelle élégance, une main. C'est beau. Quelle merveilleuse mécanique. Et il y en a deux. Oh. Regarde-moi ça. Un visage. Quelle beauté. Quelle noblesse des traits, des volumes. Quelle grandeur. Et regardez ça, tout ça, ces milliers de muscles qui fonctionnent. Mais quelle richesse! C'est d'une bonté! Mais on a envie de remercier le Seigneur! Des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies qui tournent jusqu'à l'infini. L'infini. Ben l'infini, ben oui, ben l'infini, c'est simple. C'est ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin. Pas de commencement, pas de fin. Oui, ben c'est-à-dire, réfléchis, que même si tu vas au début, il n'y a pas de début. Et tu continues encore loin, loin, loin. Il n'y a pas de loin. Dieu! Dieu! Mais c'est chiant, hein? Herbert, il ramène pas Herbert! Ah, il est complètement dingue, le mec, hein? Mon pote Robert, il est complètement dingue, le mec, hein? Ah, mais il joue de la guitare comme un dingue, le mec, hein? Ah mais attention, on a fait un malheur au Festival Pop. On les a rendus dingues, les mecs, au Festival Pop. Hein. Attention, il y avait des cracks, hein. Il y avait Shiram Chantor, un hindou, qui joue de la sitar. Mais alors, tu sais, le mec, un vrai hindou, hein. Mec et tout, hein. Il joue des accords hindous, mec. Attention, hein. Il est gonflé, hein. Il joue de la sitar sans ampli. Ah, mon pote, heureusement qu'il est hindou et mec et tout, hein. Et regarde, il est complètement avec le mec, hein. Et il y avait des cracks, hein. Il y avait l'orchestre des Sweet Mother, un groupe anglais qui joue avant nous. Des cracks, les mecs, hein. Mais leur matériel, zéro. Débilos, le matériel. 600 watts, leur matériel. Ah, le public, il est pas dingue. Il a bien vu qu'ils aient pas le matériel public. Il a commencé à gueuler, le public. Goum, goum, qui leur fait. Ça veut dire plus fort, les mecs, plus fort, les mecs. Et les mecs, ils pouvaient pas jouer plus fort, ils avaient pas le matériel. Comment pas, ils étaient tirés, les mecs. Nous, on arrive derrière, super costard génial et tout, ampli terrifique, dernier modèle trafiqué et tout. On les a rendus dingues, les mecs, hein. Complètement dingues. Hein. Ouais, mais attention, hein, Robert. Hein. Défoncé, hein. La fumette, hein. La fumette. Puis après qu'il a fumé, il a des visions et tout. Stéréo dans la tranche et tout. Relief en couleur et tout. Moi, je fume pas parce que j'ai des visions débiles. Débilos, mes visions. La dernière fois, tu sais ce que j'ai vu la dernière fois? J'ai vu ma concierge, Madame Etienne. Elle était habillée comme Mick Jagger et elle me serrait dans ses bras. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des visions comme ça? C'est pas avec ça que je vais faire de la musique super géniale et tout, hein, mon pote. Allez, ramène-toi, allez, complètement avec le mec, complètement avec le mec. Bah, attention, hein. Toujours avec les nanas, hein. Des nanas comme ça, hein, mon pote. Faites l'amour, pas la guerre, qui dit. Faites l'amour, pas la guerre, il y en a bonne, faut trouver, mon pote. Et ramène-toi, ramène-toi. Attention.
attention, attention, les nouveaux gentils vacanciers arrivent au village dans quelques minutes. Alors, je veux tout le monde autour de moi pour les accueillir, tous les gentils vacanciers ici en Paris autour de moi. Alors, pour le comité d'accueil, je veux les filles devant et les garçons derrière. Allez, par ici les filles, approchez les filles. Approche, approche-toi, la petite Empario là. Approche. T'es mignonne toi, Empario, comme ça. T'es chouette, hein. Tu restes là, puis on se verra tout à l'heure au bar. D'accord, hein, chouette. Bon, alors, je vous rappelle que pour le comité d'accueil, je veux les filles bronzées devant. Les coups de soleil derrière. Et les peaux blanches au fond. Dégagez les peaux blanches avec les couples. Au fond, au fond, au fond. Bon, alors maintenant, tous ensemble, on répète la danse tahitienne d'accueil, ensemble avec moi. Souriez, 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 merde. Souriez, souriez, quoi. Attends, arrête. Vous êtes crevé, moi aussi, je suis crevé. Moi aussi, je suis crevé. C'est marrant pour personne d'attendre des nouveaux GV à 2h du matin. Et qu'est-ce que je dirais, moi, à l'animateur? Qu'est-ce que je dirais, ce soir, à la piste de danse? J'ai fait la soirée rire, vous me faites marrer. Bon, les moniteurs, je vous ai dit de laisser passer les filles bronzées. Alors la petite bronzée, tu la laisses passer là. Laisse-la, dégage, approche ta mignonne. Là, approche. Approche, faut pas être timide comme ça. T'es chouette bronzée comme ça, hein. Un peu mieux que la semaine dernière, toi, hein. Hein? Tu restes là? On se bat tout à l'heure au bar? Bon, alors maintenant, écoutez-moi, je vous rappelle les traditions d'accueil. Écoutez quoi, écoutez, merde! Si tout le monde fait de l'ambiance, on n'est pas prêt de faire de l'animation. Bon, alors. Tradition d'accueil, j'ai dit. Quand les nouveaux GV descendent du car, vous faites le bizutage. Ah, comme ils sont blancs, les cachets d'aspirine et tout ça. Ça fait rire, ça. Si, ça fait rire. Ensuite, écoutez, merde! À mon coup de sifflet. À mon coup de sifflet, les filles bronzées, vous remettez un collier de fleurs à chaque nouvel arrivant, hein. Alors, comme j'ai pas assez de fleurs, les peaux blanches et les coups de soleil, vous faites ça avec les mains, vous meublez, hein, pas de ça. Bon, dites, n'oubliez pas d'aller chercher les fleurs qui sont restées dans le frigo de la cuisine, là. C'est les restes de la semaine dernière, l'arrivée des Belges, hein. On les a pas utilisées pour les Belges. Bon, alors, allez les chercher, hein. Faites attention, elles sont fragiles, hein. Bon. Deuxième coup de sifflet. Écoutez, deuxième coup de sifflet, les moniteurs, vous prenez un GV tout habillé et vous le jetez dans la piscine. C'est marrant, ça. Si, c'est marrant. Si c'est bien fait, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ah oui, ah oui. Forcément, si vous faites comme la semaine dernière, par-dessus la jambe, alors oui. Alors. Puis qu'est-ce que t'as à ramener, toi, le pistolet? Qu'est-ce que t'as à ramener? Qu'est-ce que t'as à ramener? Hein? Je t'ai dit de mettre un pareo, pas ta serviette éponge. Bon. Alors, va chercher ton pareo de service. Et la petite qui est à voix, toi, tu la laisses. La petite mignonne, laisse-la. Allez, dégage. Viens, approche, toi. T'es mignonne, toi, pour que tu te caches comme ça, hein. Avec un jour, t'es là. Tu restes là, puis on se voit tout à l'heure au bar. D'accord. Attention, voilà les cars qui arrivent. Les cars qui arrivent, tous ensemble, les musiciens avec moi. Les musiciens, vite, 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 vite. Di-la, la, 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 di-la. Oui, oui, allez, souriez, 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 merde, souriez, souriez. Merde, qu'est-ce qu'elles sont chouettes, les nouvelles, cette semaine, dit. Attendez, les anciennes, poussez-vous, poussez-vous. Les nouvelles, par ici, les nouvelles. Par ici, par ici. La peau blanche, là, la petite peau blanche. Approche, approche. Faut pas être timide comme ça. Dans une semaine, tu seras bronzé comme les copines, hein. Hein? T'es mignonne, toi. Tu restes là, on se voit tout à l'heure au bar, hein. Allez, toutes les filles avec moi. Les nouvelles, les anciennes au bar avec l'animateur, avec moi. Non, les garçons, vous portez les valises. Les filles, avec moi, avec moi. Allô? Allô? Mettez des pièces. Non, mettez des pièces dans la fente qui est en face, vous mettez des pièces. Oui? Allô? Comment c'est toi, chérie? Mais tu es folle de téléphoner à la maison de campagne. Je t'ai dit de ne jamais téléphoner à la maison de campagne le dimanche. Mais ma femme est à côté. Non, écoute, écoute, c'est beaucoup plus simple. Donnons-nous rendez-vous chez Marcel. Si Marcel n'est pas là, essaie d'avoir la clé du studio chez Jacqueline et laisse un message sous le paillasson de chez Marcel. Mais de toute façon, chérie, téléphone-moi au bureau demain. Hein? Oui, alors tu laisseras un message à la standardiste. Méfie-toi, elle se doute de quelque chose. Hein? Alors, si tu es libre demain, dis-lui, le bilan est juste. Le bilan est juste, deux fois. Si tu n'es pas libre, dis-lui, le contrôleur est passé. Je comprendrai. Deux fois, hein. Bon, alors, écoute-moi, si tu es libre demain, je vais tout faire pour me libérer, mais il faut que tu m'aides. Alors voilà, tu vas téléphoner ici à ma femme en te faisant passer pour la secrétaire des poids lourds associés et tu vas lui dire que la direction cherche à me joindre pour le briefing de demain soir.
Bien. Si tu n'es pas libre demain, il faut absolument que tu me dises quel jour de la semaine prochaine tu seras libre, de façon à ce que j'arrange mes rendez-vous. Hein? Je te signale que jeudi, je passe une visite médicale dans le quartier de l'Étoile et je serai libre jusqu'à 16h. On pourrait se retrouver chez Marcel. Oui, mais alors si tu n'arrives pas à avoir la clé, essaie d'avoir la clé du tuyau chez Jacqueline et laisse un message sur le paillasson de chez Marcel. Écoute-moi, écoute-moi, j'ai une chose très importante, je ne veux pas te laisser parler, ma femme est à côté, écoute-moi. Je prépare un coup terrible pour le week-end. Je disais, je prépare un coup terrible pour le week-end, oui, voilà. J'ai... Mais des pièces! Mais des pièces! Mais... Ah, oh, tu as plus de pièces. Oui, bon, d'accord, je vais aller très vite. Voilà, j'étais en train de dire, je prépare un coup terrible pour le week-end. Oui, voilà. J'ai mis Gérard dans le coup qui m'invite soi-disant à sa chasse. Je partirai avec les poinceaux que j'ai également mis dans le coup. Non, ils parleront pas, ils sont sur les poinceaux. T'inquiète pas, ils parleront. Je partirai donc en voiture vendredi soir avec les poinceaux, les chiens, ma femme. Bien. Je déposerai ma femme chez sa mère à Fontainebleau. Bien. Je reviendrai à Paris où je déposerai les poinceaux. Tu me suis? Jusqu'à là, tu me suis. Bien. Mais comme je ne peux pas débarquer avenue de Wagram en tenue de chasse avec les chiens, il faudrait absolument que tu me trouves une pension pour chiens qui me prennent les bêtes pour le week-end. Bien. Il faudrait également que tu me trouves un costume civil et des papiers. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Un costume civil? Écoute-moi. Autre chose, c'est très important. Tu sais que j'ai l'habitude, quand je rentre de la chasse, de ramener des produits de la campagne. Bon. Il faudrait donc que tu m'achètes, marque-le, tu vas l'oublier, marque-le. Alors achète-moi 2 douzaines d'œufs avec de la paille. Des escargots babeux, tu vois, des escargots non préparés. Bon, du thym et du laurier sur pied. Bien. Tu m'attendras avec ces provisions au coin de l'avenue de Wagram et de la place de l'Étoile. Est-ce que tu vois le coin de l'avenue, commandant? Tu le fais. Alors attends-moi là entre 18h et 19h. Hein. Si j'ai du retard, t'inquiète pas, c'est que j'étais pris dans un embouteillage. Par contre, chérie, si je ne suis pas là à 21h, ne m'attends plus. Mais non, c'est que j'étais pris. Écoute-moi. Mais ça va marcher, écoute. Ne sois pas pessimiste. Ça va marcher. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas téléphoner chez Marcel. Le téléphone de Marcel, c'est Jacqueline qui te donnera. Le téléphone de Jacqueline, c'est... Oh, c'est idiot, il est sur mon carnet. Mon carnet est resté dans la poche de ma veste, qui est sur le dossier de la chaise sur laquelle ma femme est assise dans le jardin. Je vais le chercher, hein? Mais non, je te dis que ça... Mais non, que j'ai pas changé. Mais je te dis que ça va marcher. Écoute, pour une fois que c'est facile, écoute, quoi. Mais non, j'ai pas changé. Je suis toujours le même. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mais non, tu te fais des idées, qu'elle est bonne. Mais non, écoute-moi, il faut absolument que tu saches, chérie. Mais des pièces! Mais des pièces! Mais... Elle a plus de pièces. Écoute-moi, chérie, je sais que toi, tu m'entends, moi, je t'entends pas, mais toi, tu m'entends. Il faut absolument que tu saches que je... T'étais là, chérie? Tu sais qui c'était? Ce con de Marcel! Chérie, tu dors? Hein? Tu dors? Non, je te réveille parce que j'arrive pas à dormir. Tu dors, toi? Tu dormais, là? Non, mais... Hein? Mais je l'ai faite, la respiration yoga. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à dormir. Ce matin, j'ai fait la séance de yoga complète. J'ai fait le salut au soleil, la sauterelle, le poirier, j'ai tout fait. Et même pour être sûr de ma journée, au petit déjeuner, j'ai pris un Librium. Hein? Ah non, ce matin, ça allait. À 10h, j'ai eu mon angoisse, mais tu vois, l'angoisse habituelle, rien d'exceptionnel. Et alors, comme j'étais dans un embouteillage, en voiture, j'en ai profité pour faire les 24 respirations ventrales. Hein? Non, il faut plus que je parle. Oui, t'as raison. Hein? Tu veux de la couverture? Tourne-toi de ton côté. Tire la couverture de ton côté. Tire. Voilà. Je vais faire la respiration yoga. Hein? Dis chérie, tu dors pas encore là? Tu t'es pas endormi là? Non. Eh mais j'ai oublié de te dire une chose, tu sais, cet après-midi au bureau, j'ai eu envie de pleurer. Hein? Non, je me suis pas retenu. Non, t'as vu la semaine dernière, j'ai dit je remettrai ça plus tard, puis t'as vu le résultat. Non, là j'ai pleuré. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré? J'ai vraiment beaucoup pleuré. Hein? Mais non, personne m'a vu, j'étais aux toilettes, t'inquiète pas. Alors après, pour me remettre, j'ai pris mon euphorisant Lardésine. Et comme d'habitude, ça m'a fait rire. Tu sais, je me paye des fous rires incoercibles avec le Lardésine. Impossible de m'arrêter. Hein? Personne m'a vu, j'étais aux toilettes. Je comprends pas pourquoi je peux pas dormir. J'ai dormi une première tranche, oui.
Avec hypnosup, c'est facile, tiens. Juste mes quelques cauchemars, j'ai eu étouffement dans un tunnel qui s'affaisse, noyade, strangulation, éventration, sexe coupé. Mais au moins, je dors. Mais t'as raison, faut pas que je m'énerve. D'accord, d'accord. Ah, et si j'essayais le corps de plomb? Il y a longtemps que j'ai pas fait le corps de plomb. Je vais faire le corps de plomb, hein. Je suis lourd. Qu'est-ce que je suis lourd? Je suis lourd. J'ai les membres lourds. Oh, j'ai la vache, je suis lourd. Je veux pas dormir. Je vais faire les deux. Je vais faire le corps de plomb et la respiration yoga associée. Je suis lourd. Je me détonne. Je suis lourd. Chéri, ça y est, ça vient. Réveille-toi. Je m'endors. J'ai une des précieuses nervillons. Ça y est, je dors. Je suis au bout du rouleau. Je m'endors. Je suis au trou de sixième descente. Je m'endors. Vous ne connaissez pas les mecs, vous ne connaissez pas, je suis un type terrible, moi. Moi, j'ai fait des trucs terribles dans ma vie. Un soir de folie dans le Grand Nord, j'ai conduit une moto, tout nu. Une Suédoise vierge accrochée à moi, nue également. Toute la nuit, wouah, wouah ! Et riait comme une folle, les cheveux, wouah ! J'ai fait la traversée du Sahara, les mecs, sur un chameau en location. Une jeune bédouine accrochée à moi. 8 jours sans boire. J'avais promis de plus boire. Le chameau est mort. Impossible de trouver une location au mois d'août. Alors, j'ai traîné la bédouine dans les dunes par les cheveux. Ouais, chez eux, on se donne pas la main, c'est mauvais genre. La bédouine bredouillée. Embrasse-moi, embrasse-moi. J'avais les lèvres comme ça. Je lui dis, sois raisonnable. Quand je l'embrassais, elle était morte. C'était ma première bédouine, ça fait toujours quelque chose. Alors les mecs, je creuse sa tombe. Au loin, les yeux des chacals phosphorés dans la nuit. Je creuse toute la nuit. À un moment, je lève la tête, je crois voir les étoiles. C'était les chacals. C'est comme ça que j'ai trouvé du pétrole. J'ai fait l'ascension de l'Himalaya avec une femme exceptionnelle. Pour que je puisse respirer, elle portait tout. 40 kilos. Je suis arrivé le premier au sommet. Je l'ai tiré par les cheveux. Elle a fait... Elle m'a déçu. J'aime les femmes fortes, moi. J'ai conduit un bolide à Indianapolis, pieds nus, comme les Indiens. Comme les Indiens quand ils pourront conduire des bolides. J'étais bronzé, j'étais blond, le volant me brûlait les mains. À l'arrivée, une femme m'attendait, grand cheveux. Je lui ai tiré la tête en arrière. Elle avait les yeux verts, les cheveux noirs. Une combinaison rouge et un casque jaune. Elle m'offrait ses lèvres, mais je tenais le coup, bon Dieu. Et au dernier moment, non, toutes les mêmes. Je suis un type terrible, moi, les mecs. Naufragé volontaire sur un radeau rongé par le soleil et la mer. Elle était là, les cheveux dans l'eau. Elle délirait comme jamais je n'avais entendu délirer. Elle était de Lausanne. Transporté d'urgence dans un hôpital, je suis soigné par une sœur de l'Assomption qui avait des seins énormes et des lèvres sensuelles. Au cours de la nuit, j'arrache mon goutte à goutte et je la ravage. Je suis un type moi, les mecs.
travailler pour la CIA. Allez, j'ai travaillé pour la CIA. Un soir, j'étais dans un bar du Kurfürstendamm à Berlin avec Natacha qui avait trahi le KGB pour moi. Je la regardais de mes yeux métalliques et froids. Alors, ses cils battaient nerveusement, son corps se tendait, la bouche entrouverte, elle se livrait avec une lueur folle d'avidité. Elle était soumise. Les plans. Balance les plans. Ben les plans. Vous n'avez pas les plans? C'est pas les plans. Elle m'avait trahi, la salope. La CIA me rappelle à Paris, j'étais brûlé, on me congédie. Alors écoutez, je sais pas si vous savez ce que c'est que Paris au mois d'août pour trouver du boulot. J'ai cavalé. Alors heureusement, j'ai trouvé une place de cadre dans une compagnie d'assurance. Pas mal, hein, bien, hein. Avantages sociaux, cantine, coopérative, 5 semaines de vacances. Ouais. Agadir, c'est du champagne. Mais alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire construire parce qu'ils font les prêts à la construction. Et finalement, j'ai calculé que sur 30 ans, c'est pas plus cher qu'un loyer. Sur 30... 30... Garçon, un double whisky.